C'est pas ce que vous pensez. Oh, Micheline Raymond, vous connaissez pas Toussaint? Non. Toussaint, Micheline Raymond. Allô? Salut. C'est l'infirmier qui travaille chez Michel. Ah, OK. Ah, l'infirmier pour... Oui, l'infirmier pour... Bon, ben, je vais vous laisser. Je vais aller voir si pour a pas besoin de quelque chose. Ah. OK. Merci, merci Toussaint. Alors oui, c'est Toussaint Wilbert, mais disons-le davantage, Didier Lucien. Salut, ça va bien, mon cher? Bonjour, ça va très bien, toi? Alors oui, très, très bien. Alors, mercredi, c'est le retour en ondes de la série 1 sur 2. C'est à 21h30. Et mercredi, c'est une journée spéciale aussi. Mercredi cette semaine, bien, c'est parce que c'est ma fête. Ah ouais? Tu parles de mots cadeaux de fête, ouais? Oui, c'est les deux en même temps. Alors, ton personnage dans 1 sur 2 est un personnage fort sympathique, un aidant à domicile, très généreux, très disponible. Bien, c'est quelqu'un de bien. C'est rare qu'on ajoute quelqu'un de bien, mais là, c'est ce que j'ai eu à faire. Puis, c'est quelqu'un qui a une bonne écoute et qui aime pas la discorde. Puis, il aime pas le mensonge, je pense. T'sais? Pourquoi tu dis « je pense » Ben parce que je ne connais jamais vraiment quelqu'un complètement. Puis, c'est comme ça que j'aborde les personnages. Fait que je me dis toujours, si je suis pas capable de définir mon frère ou un de mes bons amis, je vois pas pourquoi je serais capable de définir un personnage complètement. Donc, toujours un bon gars tout simple. Oui. Ouais. Est-ce que c'est plus difficile à jouer, ça, quand c'est pas quelqu'un dans les extrêmes, juste un bon gars simple? Bien, c'est pas vraiment difficile à jouer, c'est juste que ça nous questionne, par exemple, sur notre propre vie, notre façon de voir, ma façon de voir les choses. Tu compares au personnage, oui, c'est quoi? Ça. Voir où est-ce que je suis pas devenu cette personne ou je le suis pas, quand je le suis. Et ton constat, c'est lequel? C'est que t'aurais dû... J'aimerais être mieux. Ton personnage est mieux? Oui, par moment. Par moment, il faut le préciser. Non, parce qu'il se fâche quand même. Non, c'est ça. Il se fâche quand même quand il n'est pas sûr que les gens sont capables de se parler. Okay. Ça, il y a horreur de ça, mais un peu moi aussi. Mais tout ça, il aime ça se mêler des affaires des autres, là. Oui, bien, il a entendu quand même pas mal de trucs sans rien demander, tu sais. Il est là, il constate les faits. Puis à partir de là, ben, il s'implique, oui. Bon. Il s'implique, oui, c'est ça. C'est pas de ses affaires. OK, c'est correct, c'est pas de ses affaires. Puis, mais il s'en mêle pareil. Oui, il s'en mêle quand même. OK. Dans l'extrait qu'on a entendu, c'est Michel qui t'a engagé. Michel, c'est Claude Legault, évidemment un vieux pote à toi. Oui. Dans cette série-là, tu joues aussi beaucoup avec Sophie Préjean. Oui, oui, oui. Romane, c'est ça? Oui. Et il y a une complicité entre toi et Sophie Préjean qu'on nous a, on a eu en écho, comme quoi il se passait quelque chose entre vous deux. Bien, écoute, Sophie, on n'avait jamais joué ensemble. Mais je la connais depuis longtemps, mais je la connais, je sais comme quand je sais qui elle est, elle sait qui je suis, on a des amis en commun, blablabla. Mais de se retrouver avec une actrice comme ça, que je trouve très, très professionnelle, que je trouve très, très, très bonne. Je veux dire, il y a des moments où j'étais avec elle, puis elle parle, elle me donne la réplique, et là, je réalise que je suis en train de jouer avec elle. Oui. Tu sais, j'ai eu ces moments-là. Des petits décrochages. Ben oui, ben parce que j'étais fasciné, je la trouvais bonne. Bonne et... Bonne et belle. Donc, ça peut déconcentrer, si je comprends bien. Ben oui, parce que je suis un bon spectateur. OK. Puis, fait que ça a augmenté mon niveau de jeu. Je te dis, oui, c'est ça. Il y a comme une petite pression additionnelle. Hein? Oui, absolument. Puis, ben il y a une pression additionnelle sur tout le show. Tout le monde, c'est juste des bons acteurs là-dedans. Ouais. Fait que tu sais, de Paul Zawel, l'autre, de Céline Bonnier. Fait que tu fais, OK, t'as un petit peu le show. OK, c'est comme danser avec mon partenaire. Oui, exactement. Ça haute. Absolument. Fait que j'essaie d'avoir mon A-game, qu'on dit en anglais. Quelle est la relation entre toi et Claude Legault? Parce qu'on le sait, vous avez fait les fous dans une galaxie à plusieurs reprises. Est-ce que sur le plateau, il y a quelque chose de... Cette amitié-là ressort? Bien, on a une amitié qui est en dehors de... du jeu aussi. On a fait de l'impro ensemble depuis longtemps. On a fait bien des trucs ensemble. Fait que c'est sûr que ça rebondit sur le plateau, ça. De quelle façon ça rebondit sur un plateau de la musique comme ça? C'est pour ça que c'est le fun d'avoir un bon réalisateur, tu sais. Claude Desrosiers est magnifique parce que là où je peux voir 25 gags, lui, il voit qu'il y en a un qui devrait rester. Il choisit. Il choisit. Il choisit. Oui, c'est ça. Pendant qu'on voit ces images dans une galaxie, tu jouais Bob Dieudonné, hein, c'est ça? Ouais, Bob Marcelin. Marcelin, oui. Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce qu'on en parle de temps en temps, mais est-ce qu'il y a une galaxie, quelque chose de sérieux qui s'en vient pour ça? On harcèle Claude, c'est sûr, pour l'écriture de ça. Il faut qu'il arrête de faire 30 000 affaires puis qu'il se concentre un peu et qu'il écrive le prochain qu'on le tourne. Ça vous tenterait, ça? Mais ça tente encore à tout le monde, mais il faudrait pas qu'on ait tous 75 ans avant. C'est un moment de jouer ça. Marchette, ça va être un peu étrange. Ouais, Marchette, c'est un peu difficile. Ouais.
Et on va voir. À la toute fin de l'entrevue, on écoutera un extrait d'un sur deux pour se rendre à la pause. Mais juste avant, je vais te parler d'un projet aussi avec l'OSM. Tu as fait quelque chose avec l'OSM il y a quelques années, je pense. Et là, vous ramenez ce projet-là parce qu'il tient d'abord à cœur pour la levée de fonds et pour ce que ça représente aussi avec l'OSM. Oui, bien, avec l'OSM, c'est toujours une ou deux fois que tu joues, tu sais. Fait que c'est comme on a eu le temps d'oublier. Puis il n'y a pas de vidéo de ce qu'on a fait. C'est une narration sur Pierre et le loup de Prokofiev. OK. Et, c'est un conte. Oui, c'est un conte, c'est ça. Et j'ai proposé, au lieu de le lire aux lutrins, aux enfants, de tout illustrer. OK. Fait que le chat, c'est une mop, l'arbre, c'est une patère. Puis je fais tout vivre ces objets-là. Et, avec l'OSM. Oui, oui, c'est ça. Avec l'orchestre symphonique en arrière de moi qui me back. Tu sais, ma trame sonore est énorme. Alors, ça, c'est aussi pour une levée de fonds, si je ne me trompe pas. Hein? Le bal des enfants de l'OSM. Fait que ça souligne les 80 ans de l'OSM. Aussi, l'accessibilité à la musique classique aux enfants. Tout ça. Fait que ça, c'est comme un moment intéressant, tu sais. D'être sur scène, habituellement, on voit des chanteurs avec l'OSM. Oui. D'avoir un conteur, on l'avait avec Fred Pellerin dans les fêtes. Oui, c'est ça, il y a quelques narrations comme ça qui se font de temps à autre, puis c'est magnifique. Ça doit. Surtout dans la nouvelle salle, l'acoustique est extraordinaire. Fait que même sans micro, t'as tout l'orchestre au complet qui joue en arrière de toi, puis t'es comme transporté par ça. Te sens-tu big quand tu fais ça avec l'OSM? Ah oui. Ah oui, non. C'est sûr qu'on fait ce métier-là pour, à un moment donné, se sentir big. Alors là, c'est le cas. Là, c'est un gros show rock pour moi, là, tu vas passer l'été à Terrebonne aussi, si je ne me trompe pas, théâtre. Oui. Qu'est-ce que tu vas jouer au théâtre? Ça s'appelle La monnaie de la pièce. C'est une Benoît Brière qui me fait la mise en scène. Puis c'est avec une gang fantastique. Il y a Luc Guérin, Martin Drainville, Pierrette Robitaille, Marilyn Thibault. Oui, une gang extraordinaire. Il n'y arrivera rien. Je vais passer un bel été. Et avec Ben, c'est magnifique. C'est toute une gang de professionnels, mais de haut niveau. Oui, en plus, c'est ça. Fait que ça ne peut qu'être drôle. OK. Bien, écoute, passe un bel été là-bas, passe un bel hiver. Et nous, on t'attrape le jour de ta fête. Ah oui. Mercredi, pour un surdos. Puis pour aller à la pause, on va écouter un petit bout. Tu t'apprêtes à faire un massage sur le divan parce que il y a des nécessités, des fois. Il y a des demandes spéciales. Il aime ça aussi, faire ça. Il est bon là-dedans. Oui, on te garde pas mal, je pense. Mm-hmm. Ouais. Je peux-tu regarder ça? Ah oui, c'est tout petit, mais ça remonte. Oh, ça descend. C'est comme... Ah! C'est coincé, mais c'est pas si pire. Mm-hmm. Ça te prendrait un petit massage pour débloquer tout ça. Hey, je peux te faire ça là. Je vais chercher ma table à masser, là, puis c'est réglé. Ah oui? Mm-hmm. On a de la job. Bon, c'est une question de priorité, là. Entre la souffrance humaine et des panneaux de Jeep.